Donc j'essaye, parce que j'essayais avec le téléphone pour la première fois pour utiliser ma super ring light. Et puis en fait, ça a totalement buggé avec mon téléphone. Donc je suis retournée sur l'ordinateur qui du coup est sur le côté. Et si je veux voir vos commentaires, qui est là dans le chat et qui est là sur YouTube, je vais devoir regarder un petit peu sur le côté comme ça. Donc voilà, j'essaye d'ouvrir YouTube pour voir un petit peu comment ça se passe dans le chat aussi. Donc aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver sur la chaîne YouTube et sur YouNow, parce que là, je suis sur YouNow, pour en fait recevoir Bertrand Vandeloise, qui est un photographe et qui photographie entre autres les acteurs pour faire des photos d'acteurs pour envoyer aux agents, aux managers, aux directeurs de casting. Et donc j'avais envie d'interviewer Bertrand pour d'une part connaître un petit peu mieux son métier à lui et puis aussi surtout pour vous aider, vous en tant qu'acteur, à comprendre comment vous préparer au mieux pour une séance photo avec un acteur, avec un photographe. Donc voilà. Si Bertrand est dans le coin, ah Bertrand est là. Je vais inviter Bertrand à venir en guest et ce sera super. Je vais aussi chercher pour essayer de trouver le live sur YouTube et voir s'il y a éventuellement certains Hello. questions. Et si voilà, il y a quoi que ce soit que je peux faire. Alors, on est le 17, je pense que questions. Ah, il y a Lily qui dit hello et Léa qui dit hello, coucou. Donc bonjour, bienvenue, je suis super contente de vous voir dans le live sous YouTube avec nous. Ah, et Bertrand est là. Ah, Bertrand, je ne t'entends pas encore. Attends, attends. Allô, Tu allô, m'entends là? est-ce que tu m'entends? Allô? Ah oui, voilà, super, génial. Salut. Trop contente de t'entendre. Ça J'essaie juste de va? t'entendre uniquement sur YouNow pour le moment. Oui, désolée, je suis un peu avec la technique pour le moment. No, it's okay. I have everything. Thank you very much. Voilà, mais coucou Bertrand. Coucou. Comment vas-tu? Ça va et toi, ça va? Ça va super. Mais je suis de retour. On s'est vu il y a quelques jours en Belgique. On a fait des photos ensemble. Et du coup, ben là, je suis de retour à Los Angeles et je suis super contente de t'avoir aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'on a souvent travaillé ensemble pour faire des photos d'acteurs. Et j'ai toujours adoré travailler avec toi. Et donc, vraiment, j'avais envie de pouvoir en savoir un petit peu plus et surtout de partager notre expérience avec tous les abonnés de la chaîne et qu'eux puissent éventuellement poser leurs questions aussi. Cool. Alors, il y a quelqu'un qui dit Anastasia, qui dit déjà un super gentil truc sur un super gentil commentaire sur YouTube. Merci Anastasia, c'est super sympa. Alors, Bertrand, ah, chez moi l'écran pour toi est un petit peu. Est-ce que tu es toujours là? Ah non, voilà, t'as l'air d'être toujours là. Cool. Je suis là. Alors, je voulais te demander un petit peu de te présenter parce que moi je te connais super bien, mais les gens de la chaîne ne te connaissent pas encore. Donc, toi, tu es photographe. Je suis photographe. À la base, je suis photoreporter. C'est là-dessus que j'étais formé. Et c'est vrai que j'aime bien toucher à tout et que la photo me passionne. Et donc, j'en suis un peu à commencer à photographier il y a de ça 7-8 ans. Et puis, je crois que tu as été la première que j'ai photographiée pour un book comédien. Et Voilà, comment ça s'est un peu enchaîné. c'est passé? En fait, on prenait des cours d'acting ensemble et un jour j'ai dit, Exact. Bertrand, tu fais de la photo, est-ce que tu voudrais pas venir faire des photos de moi, d'actrice? Et puis tu m'as dit, bah oui, pourquoi pas, ok. Et puis voilà, ça s'est passé. Ouais, c'est des moments un peu privilégiés, donc c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et donc voilà, j'ai continué, j'ai des demandes, donc voilà, et on a rebossé ensemble il n'y a pas longtemps, du coup, c'était cool. Ouais, j'étais super contente et j'adore les photos. Donc voilà. Donc nous, on s'est connus en 2013, je crois. Et donc on a fait mes premières photos d'actrices ensemble et tes premières photos d'une actrice ensemble. Donc ça, c'était vraiment super chouette. Et avant ça, ça fait combien de temps maintenant que tu es photographe?
Ça fait un peu plus de 10 ans que je suis sorti de l'école en 2000. J'avais 22 ans, j'en ai 34. Ah Donc ouais. ça fait un peu plus de 10 ans. Pendant 7 ans, j'ai eu un boulot à mi-temps à côté, et puis depuis quelques années, je fais plus que ça. Génial. Et du coup, tu photographies surtout en Belgique, vu que c'est là que tu habites, mais est-ce que tu photographies aussi dans d'autres pays? Mais écoute, pour tout ce qui est reportage, photo-reportage, je vais vraiment partout. Mais pour ce qui est des books, pour l'instant, je les fais que en Belgique et à Paris. D'accord. Voilà, mais Los Angeles me tend les bras. Yeah! C'est vrai, c'était rigolo parce que finalement, dans ma signature, j'ai ta photo et puis j'avais travaillé sur un projet il n'y a pas longtemps et à chaque fois que je répondais aux gens, ben, ils voyaient ma photo dans la signature de mon mail et puis il y a deux, trois acteurs qui m'ont dit, hey, c'est qui a fait ta photo là? Je dis, ah, c'est un petit photographe en Belgique, enfin petit, je veux dire, dans la petite Belgique, Ouais, c'est mais peut-être sûr. qu'il vient à Los Angeles, donc je crois que tu as déjà une liste de commandes. Cool. D'acteurs qui seraient hyper contents de faire des photos avec toi ici. Bonjour à tout le monde qui est en train de nous rejoindre sur YouNow et sur YouTube. Merci mille fois d'être avec nous aujourd'hui. On a donc Bertrand Vandeloise qui est avec nous et qui va nous parler du métier de photographe d'acteur. Et si vous avez des questions, bah, elles sont les bienvenues. Je vais poser plein de questions à Bertrand pour savoir un petit peu comment vous, en tant qu'acteur, vous pouvez vous préparer pour réussir. Une séance photo d'acteur et pour avoir des super beaux clichés à la fin. Donc peut-être qu'on peut commencer par discuter de la différence entre c'est quoi une photo portrait, on va dire normale, et puis vraiment une photo d'acteur, portrait d'acteur. Ah, je sais pas si Bertrand est encore là. Moi, j'entends pas Bertrand. Là, j'entends plus Bertrand. Peut-être que Bertrand a eu un petit souci internet. Ah, tu es là, mais tu n'étais plus en invité. Peut-être qu'il y a eu un souci avec l'application. YouNow, c'est pas parfait comme application, mais Es-tu c'est la là? seule qui m'offre l'opportunité de faire le partage d'écran de. Ah, voilà, tu es de retour. Donc, je ne Voilà. sais pas si tu as entendu ma question. Bonjour Mathilde, bonjour Basic Girl. Il y a tout le monde qui nous rejoint sur Facebook, sur YouTube. Ça a bugué juste ta question, entendu. Alors donc ma question c'est quoi la différence entre une photo portrait normale et puis vraiment une photo portrait pour les acteurs pour faire des headshots et pour booker avec des agents, Ouais. etc. C'est quoi la différence? Ben, vraiment, pour moi, la grande différence, c'est que quand je fais une photo portrait normale, je suis dans une recherche d'esthétique pure et simple. Et quand je suis en train de travailler avec un acteur, j'essaye d'aller voir, savoir ce que lui peut donner pour qu'il puisse se vendre après, parce que c'est clairement ça que c'est photo. Et on va dans une démarche, on est dans une j'essaie de la vraie nature, la faire rire. Et bien sûr, on rajoute à ça un peu d'esthétique parce que d'office, il en faut. Mais voilà, on essaie d'être plus avec des lumières naturelles. En tout cas, moi, j'essaie de travailler avec des lumières naturelles. Ce que je fais pas forcément quand je fais des photos juste comme ça de quelqu'un où t'es juste esthétique, quoi. Oui, parfois tu fais du noir et blanc aussi pour des photos portraits. Tu peux, Ouais. c'est parfois la situation ou la mise en forme de l'image qui est jolie ou quoi. Alors que une photo vraiment d'acteur, l'important c'est le regard de l'acteur, je pense, C'est sûr. les émotions qui dégagent. C'est vraiment tout ça. Donc tout le focus est mis sur l'acteur et je vais dire, dis-moi si je me trompe, mais que on est peut-être parfois le photographe a peut-être envie lui de faire passer son style ou quoi, mais quand il photographie des acteurs, il est moins censé faire ça et il est plus Ben censé oui, mettre en clairement. valeur l'acteur lui-même. Ben oui, clairement. Et se ressent en tout cas pour moi, dont je vais travailler, que dans la façon dont je vais faire ma post-production. Donc quand je vais retoucher les images, ça va être très sobrement. Je vais mettre des images parce que j'essaye de mettre quelque chose de très très naturel. Parce qu'en fait, il faut bien se dire que les photos de l'acteur, ben, c'est un peu son outil de travail. C'est grâce à des castings, etc. Et donc, il faut que ça soit quelque chose qui tombe à 1000%. Il ne faut pas qu'il y ait d'artifice, il ne faut pas que le regard, on sache directement si cette photo, ok, c'est le profil que je recherche ou c'est pas le profil que je recherche, quoi. Oui, c'est ça. Parce que si après l'acteur, quand on fait les retouches, parce que souvent les photographes, maintenant quasi tout le monde retouche avec Ouais. Photoshop les photos, si après à la retouche, la couleur des cheveux n'est pas la même,
où l'acteur a l'air beaucoup Voilà. plus jeune parce qu'on lui a retiré toutes ses rides, où il n'a pas, enfin je sais pas, plein de choses, et qu'après le directeur de casting qui a appelé cet acteur en audition, il se retrouve face à quelqu'un qui est totalement différent et qui ne correspond pas à la photo, c'est un peu délicat quoi. Ça va pas faire, c'est bien, ouais. Donc toi, Il c'est faut ta que, il faut, responsabilité de rester fidèle à l'acteur aussi. Pardon? Dis-toi, c'est ta responsabilité de rester fidèle à l'acteur. Oui, vraiment. Et je pense que c'est un moment justement très très privilégié avec l'acteur parce que du coup il est obligé de ben, pour une fois de pas être dans un rôle, d'être vraiment lui-même et que moi c'est ça. Il faut que j'essaye de voir qui est cette personne et il faut que je capte ça quoi. Et donc ouais, on est vraiment dans un truc où il faut la plus possible. Il faut qu'on se pose, il faut que ça soit calme. Et qu'il puisse bien se concentrer pour bah, essayer de montrer où elle est, quoi. Et justement, par rapport à ça, comment ça se passe une séance photo quand on est acteur et qu'on vient faire une séance photo, parce que tu viens de dire, il faut que l'acteur soit vraiment lui, il faut qu'il soit un peu vulnérable et tout. Donc, comment ça se déroule, en gros, une séance photo pour ceux qui n'ont jamais fait de photo avec des photographes? Ben, franchement, c'est jamais la même chose, mais moi j'essaie toujours d'abord de créer un lien. Alors, nous connaissons, donc c'est beaucoup plus facile. On peut directement aller droit au but parce que je sais comment tu travailles et tu sais comment moi je travaille. Mais quelqu'un avec qui j'ai jamais bossé, ben moi souvent je propose à la personne déjà qu'on s'arrête, qu'on prenne un café ensemble, qu'on apprenne à se connaître parce que c'est bien de pouvoir être en confiance chacun pour pouvoir se lâcher après. Et puis petit à petit on y va et je sais toujours que les photos du début, c'est pas celles qui vont être les bonnes. Il faut du début à décrisper la situation, à mettre la personne à l'aise. Moi, je suis assez sociable, donc je discute avec la personne pendant que je fais les photos. Et puis, ben, il y a toujours un moment comme ça, il y a toujours une bonne demi-heure pour sortir les meilleures photos. C'est très naturel, ça peut des fois prendre 1 heure, ça peut des fois prendre beaucoup plus de temps, ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Mais le truc, c'est d'essayer de ben, que la personne puisse me faire un peu confiance et d'essayer ben, de se sentir vraiment à l'aise, décontracté, on n'est pas pressé. Tranquille. C'est vrai ce que tu dis, les premières photos de quand on arrive à une séance photo, c'est rarement les meilleures et en même temps, c'est celles qui ressemblent le plus à quand on arrive à un casting. Parce que Ah c'est ouais. celle où on est un peu stressé, où on n'est pas tout à fait 100% voilà, Elles cool sont spontanées, quoi. On ne connaît pas non plus hyper bien la personne qu'on a en face de nous, on n'a pas eu le temps de s'adapter. Et donc, c'est vrai que les toutes premières photos d'une séance photo, c'est rarement les meilleures, mais en même temps, c'est celles qui représentent le plus comment on est, quoi. Devant une caméra, ouais, devant un appareil, c'est pas la même chose, quoi. Moi, des fois, je me retrouve face à des acteurs qui ont complètement le trac faire photo, alors que demain, ils se sentent tout à fait à l'aise, quoi. Ouais. Ah, c'est marrant. Mais Et du coup, comment se passe vraiment la séance photo? Donc, les acteurs, donc tu prends un café et tout avec les acteurs, puis bah, vous vous retrouvez à un endroit, Voilà. En fait, à la base, souvent, j'essaye qu'on puisse définir un endroit ensemble. Si on connaît plus ou moins les lieux, si la personne connaît les lieux, si moi je connais les lieux. Moi je travaille en lumière naturelle et donc je travaille en extérieur 8 fois sur 10. Je dis 8 fois sur 10 parce qu'en Belgique en hiver c'est impossible. Alors je fais du studio, mais vraiment le studio ça donne pas aussi bien que la lumière extérieure. Alors ce que je fais c'est que au début de la séance, je passe quand même du temps à trouver l'endroit où je vais pouvoir travailler, où la lumière est. Et d'ailleurs on l'a vécu hein, quand on a travaillé ensemble la fois passée. On a chipoté, on a marché, je crois qu'on a pris 1 heure, on est allé d'un côté à Wavre et puis de l'autre côté, puis on a pris 1 heure à chercher un endroit, tu vois. Parce que l'endroit où la lumière est vraiment. Pardon? Le bon endroit, la Eh bonne lumière. oui. Voilà. Et une fois qu'on a cet endroit-là, ben on essaye de se poser, de prendre une chaise, un tabouret ou quelque chose. Et là, on commence à travailler. Au début, sans se donner trop de contraintes, pour se relâcher un petit peu. Moi, c'est pareil. Regarder un peu ce que je vais travailler, comment je vais faire mes réglages, etc. Et puis, j'essaye aussi de mettre un peu la personne ben, dans des chouettes conditions, qu'elle se sente vraiment décontractée.
Et on y va, puis je demande souvent à la personne à un moment, ok, là on se concentre un peu plus, on va essayer de faire ça. Et souvent c'est moi qui guide un peu le modèle, sauf quand le modèle est très expérimenté, ça m'arrive que qu'ils me disent, ben moi j'ai envie de tester ça, ok, on teste ça. Et souvent ben, c'est chouette, on est à deux, on se lance chacun des idées, et puis c'est plus ou moins comme ça que ça fonctionne. Jusque quand on se dit, ok, là on a fait assez de photos, on a quelque chose de bien. Donc il n'y a pas vraiment un timing. Oui, donc j'ai des fois les personnes qui viennent te voir, les acteurs, peuvent venir avec eux des choses qu'ils ont envie de faire. Comme moi, je t'avais dit, voilà, je veux ça, ouais. Je veux ça, c'était clair. Et après, toi, tu mets aussi des suggestions et tu proposes des trucs en fonction de ce que tu vois que tu as. Exactement, aimé. Ouais. Et puis, en fonction aussi des envies, parce qu'il y a des gens qui font un book pour les images, il y a aussi des gens qui font un book parce qu'ils veulent commencer à toucher à la publicité. Et donc, là, on va essayer de faire plein de silhouettes, on va essayer de jouer avec les expressions, les émotions, alors qu'on peut aussi faire juste un book où on essaye juste d'avoir une belle photo portrait qui va représenter correctement la personne, assez neutre en fait. Et donc, voilà, suivant ce que la personne me demande, on essaye de travailler là-dessus, quoi. Ouais, c'est hyper bien. Écoute, c'est cool. Et du coup, par rapport à ça, combien de tenues un acteur peut apporter ou quel genre de tenue est-ce qu'il peut apporter quand il vient faire une séance photo avec toi ? Moi, je conseille d'apporter trois tenues. Une tenue très très claire avec blanche qui va amener beaucoup de lumière sur le visage. Une tenue un peu de tous les jours, je dis à l'acteur, c'est la tenue dans laquelle tu vas arriver, qui représente bien la personne. Et alors une tenue un peu plus classique, peut-être avec un petit col ou quelque chose d'un peu plus sombre, etc. Et du coup, avec ces trois tenues-là, souvent on travaille sur le haut du buste, sur le visage. On fait aussi quelques plein-pieds parce que maintenant d'avoir une photo de plein pied, mais on en fait vraiment très peu. Mais avec ces trois tenues, on va réussir à avoir un panel très différent du visage, quoi. Ok, ouais, c'est vrai que c'est en général, oui, c'est ça. Après, si on veut quelque chose d'un peu plus chaleureux, on peut mettre un pull pour essayer d'avoir. Ouais, exactement. Après, des fois, je dis trois tenues, mais les gens, des fois, ils appellent quatre, aucun problème. Quand ils arrivent avec 20, 30 tenues, ça sert à rien. On n'a pas le temps de faire ça. Et c'est vrai qu'au final, combien de photos tu vas utiliser en tant qu'acteur vraiment pour te vendre et moi, je vois aux États-Unis, j'utilise deux photos, quoi. Une pour la publicité, ouais. Et une pour le theatrical, donc les films et la télé. Mais c'est rare qu'on utilise plus de deux photos. Ben oui. Le book que moi je vais faire, il va faire, je sais pas, une cinquantaine de photos. Mais dans ces photos, il va falloir en sélectionner. Moi je dis toujours, max 5 photos. Plus que ça, ça sert à rien. On peut pas envoyer 20 photos à un client et les regarder. Donc, ou deux bonnes photos. Pour Internet ou pour les réseaux sociaux, voilà. C'est chouette d'avoir. Ouais. D'avoir. Il y a Jacques qui dit hello une fois. Hello une fois, Jacques. et du coup, c'est vrai que c'est chouette pour avoir ton site internet ou pour aujourd'hui les réseaux sociaux d'avoir plusieurs photos qu'on peut partager, qu'on peut utiliser pendant plusieurs semaines, des choses comme ça. Mais vraiment, pour travailler en tant qu'acteur, une ou deux photos d'une séance photo, c'est plus que suffisant. C'est nettement suffisant. Ouais. Ok. Et donc, comment est-ce qu'on peut se coiffer, se maquiller quand on est un homme, quand on est une femme, en fonction de notre âge ? Je sais que tu as notamment pris une jeune comédienne en photo, Lynn, qui avait à l'époque peut-être 12 ans. Je sais plus quel âge. Ah ouais, elle était assez jeune, je ne me souviens plus exactement. Ouais. Donc du coup, qu'est-ce que tu recommandes en fonction Moi, je recommanderais du naturel. Le plus naturel. Ouais, clairement. Clairement. Que toi, tu expérimentes avec les acteurs. Moi, vraiment, on me demande toujours et je dis toujours, essayez d'être le plus naturel possible. D'office, les femmes vont mettre un peu de maquillage, que ça soit le plus léger possible. Voilà, ça peut faire ressortir légèrement les yeux. Mais le truc, c'est qu'il faut rester cohérent par rapport au futur qu'on peut peut-être avoir et on montrer sa vraie nature et c'est clairement pas d'essayer d'être plus belle ou d'avoir les yeux plus foncés ou plus beaux ou voilà c'est pas ça le but c'est de montrer sa vraie nature, de travailler vraiment le plus naturellement possible, quoi. Ouais. Et donc du coup, par exemple, les enfants, enfin en dessous de, je veux dire, parce que j'ai beaucoup de jeunes sur ma chaîne qui ont entre 12 et 16 ans,
Moi, personnellement, je recommanderais encore une fois quelque chose d'hyper naturel. Je Ben recommanderais oui. un peu de mascara, peut-être une petite ligne de crayon, quelque chose comme ça. Si on a des petits boutons ou quoi, cachés avec un peu de fond de teint, mais pas commencer à mettre des couleurs sur les yeux. Non, 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 clairement pas. Voilà, quelque chose d'assez simple. Ouais, d'assez sobre, d'assez simple, et de toute façon, c'est la lumière qui va tout faire, quoi. On va trouver un endroit qui fait ressortir le visage, et s'il y a beaucoup de maquillage, ça va pas bien donner, ça c'est clair. Et du coup, combien de temps ça dure une séance photo et est-ce qu'on peut venir accompagner? Ben, alors ça arrive parfois. Moi personnellement, je déconseille. J'aime bien travailler avec la fille parce qu'il y a vraiment besoin d'installer une confiance, qu'on soit concentré tous les deux. Et donc, moi, je préfère travailler qu'on soit juste à deux. Maintenant, ça m'arrive qu'on soit à trois. Quand on a fait avec toi, on était à trois, mais voilà, j'ai fait aussi des photos de Jess. Donc, ça dépend d'une situation à l'autre. Et alors, pour la durée, je vais dire que on va de 1 heure à 2 heures et demie, mais c'est rarement plus parce que c'est vrai que ça fatigue quand même la personne. Concentré, assez concentré aussi, donc ça peut être très fatigant. Et en dessous d'une heure, on le fait pas parce que c'est un peu bâclé. Mais en général, moi je m'arrête quand je sens qu'on a de la matière, que j'ai de matière, que je vais pouvoir. Et en général, la personne que je suis en train de photographier le sent aussi. On est tous les deux d'accord pour s'arrêter au bon moment, C'est quoi. ça, vous vous arrêtez d'un commun accord quand vous sentez Exactement, ouais. ce qu'il faut. Je posais la question, venir accompagner, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de mineurs qui me posent pas Ah mal de oui. questions sur la chaîne et tout ça. Personnellement, si vous travaillez avec un photographe que vous ne connaissez pas du tout, vous avez trouvé sur Internet, moi, je vous recommanderais d'aller accompagner. Oui, sûr, sûr. Si vous voyez que ça se passe bien et tout ça, bah, peut-être que la personne qui vous accompagne, qui est un adulte, peut aller prendre un café, faire un tour et puis Bien revenir sûr. pour la séance. Mais c'est vrai que c'est quand même toujours des gens que vous connaissez peut-être pas. Ah, c'est sûr. Et voilà, si on ne vous a pas recommandé cette personne-là, qu'un autre acteur vous a pas recommandé, que c'est vraiment quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout, De confiance. quand même de. Voilà. Oui, c'est sûr, les mineurs, il faut toujours qu'ils soient accompagnés, hein. De toute façon, voilà. J'avais des portraits de gens mineurs, et voilà. Des fois, la maman, elle va prendre un café au coin de la rue, elle reste un peu, le temps de voir comment ça se passe, et souvent, moi, je fonctionne au bouche à oreille aussi, donc les gens, ils ont déjà travaillé avec moi, ils savent que je suis quelqu'un de sérieux, etc. Mais vraiment, les photographes, il y en a des milliers, il faut pas l'erreur d'honneur d'aller seul à un shooting, quoi. Et c'est vrai que c'est toujours peut-être mieux d'aller vers un photographe que quelqu'un que vous connaissez, connaît, en tout cas si c'est vos premières fois, si vous êtes jeune, que vous êtes Ben mineur. oui, Voilà, donc clairement. d'avoir des recommandations vraiment verbales par rapport à quelqu'un pour être sûr de ne pas mettre les pieds dans un guet-apens, quoi, hein, soyons clairs. Clairement. Et donc du coup, il y a Dragonfly qui vient de nous rejoindre. Bonjour, merci d'être avec nous dans Salut. le live. Alors du coup, je voulais aussi te demander combien de photos au final, tu m'as dit une cinquantaine Ouais, une de photos, cinquantaine c'est de photos. Là, moi, je suis pas quelqu'un qui compte beaucoup, c'est-à-dire que en général, je mets tout ce que j'aime bien, et j'essaye de moi-même faire une petite sélection de 15 photos, max 20 photos, qui pour moi parlent le plus. Parce que souvent, les gens, quand ils ont 50, 60, 70 photos, ben, après, ils ne savent plus comment choisir, quoi. Justement, c'était ça ma prochaine question, c'est comment on choisit la photo? La photo ou les deux photos qui vont vraiment le plus nous représenter? Mais soit on a beaucoup d'expérience et c'est possible de choisir soi-même, soit moi je conseille d'avoir un regard, au moins un regard extérieur. Moi, soit c'est une sélection de 10 ou 15 qui pour moi parle le plus. Ben, si la personne peut déjà prendre ses photos, la montrer à quelqu'un d'autre et lui demander voilà quelle photo me reflète le plus. Mais c'est sûr que souvent on a tendance à se regarder pas comme. On se regarde soi-même, et donc moi je conseille vraiment de mettre des regards extérieurs là-dedans dans le choix de la sélection finale, quoi. Ouais, c'est vrai que moi, ce que j'ai déjà fait, c'est que je sélectionnais, comme tu dis, peut-être 7 photos, et puis je les publiais sur Facebook par rapport à tout mon cercle d'amis, de famille, de gens aussi du milieu.
et je leur disais, voilà, likez la photo que vous préférez ou mettez-moi une petite description de ce que vous voyez dans cette photo, etc. Maintenant, ceux qui sont sur ma chaîne, ils peuvent aussi venir dans le groupe Facebook qui est par rapport à la chaîne. Donc, c'est le groupe Facebook Fanny Pierre, actrice à Hollywood. Voilà. Vous pouvez très bien venir là, mettre peut-être 5 photos et demander aux gens laquelle ils préfèrent, etc. Parce qu'en plus, c'est des gens qui ne vous connaissent pas. Et je pense que c'est intéressant parfois, dis-moi si tu trouves que je me trompe, mais d'avoir des regards aussi de gens qui ne vous connaissent pas. Clairement, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Parce qu'avoir le regard que de gens qui vous connaissent au quotidien et tout ça, ils sont un peu trompés parce qu'ils aiment quelque chose de vous, ils veulent voir ça dans les Ben photos, oui, bien etc. sûr. Moi, quand je vois les photos que ma maman aime de moi en tant qu'actrice, ce n'est pas forcément les photos que qui vont me faire travailler, quoi. Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Il faut pas, il faut pas. Mais demander à sa maman, c'est aussi objectif que si on se demande à soi-même, je pense. Ben oui, c'est un peu difficile, quoi. Donc, une autre question, comment se détendre pendant une séance photo si on a du mal, qu'on est stressé? Comment tu fais, toi, quand tu vois qu'un acteur, voilà, ça fait 20 minutes que vous êtes en séance photo et c'est toujours un peu difficile et toujours tendu, tu lui proposes de mettre de la musique, comment est-ce que tu fais? De mettre de la musique, de faire tout ce qui peut détendre la personne. Alors si c'est des gens qui ont un peu d'expérience, ils ont des techniques qu'ils peuvent utiliser. Donc moi souvent je leur dis, ok, on s'arrête, respire, lève-toi, fais ce que tu veux, mais prends du temps, c'est pas grave, même si tu prends 20 minutes, prends du temps pour te détendre. Ça m'arrive aussi de shooter dans le vide en sachant que je suis en train de shooter dans le vide je sens que la personne a besoin de temps de shooting qui va servir plus ou moins à rien, mais juste à pouvoir se décontracter. Donc ça m'arrive de shooter, de shooter, de shooter en disant, ok, on fait n'importe c'est pas grave, on est de plus en plus détendu et de plus en plus concentré. Donc c'est vraiment d'une personne à l'autre, j'essaye de m'adapter. Ce qui est chouette, c'est quand on travaille avec des acteurs, en général, ils ont des petites techniques aussi pour eux pouvoir se poser, se calmer. Respiration, ouais. Ouais, la respiration, bien sûr. Ouais. Parfois, courir, faire un tour du bloc, après on revient, on est un peu Essoufflé. plus un peu plus détendu, quoi. Il y a Ferdinand qui dit qu'il est un de nos fans. Merci Trop Ferdinand! bien, trop bien. Et donc, du coup, t'as déjà dit que tu faisais plutôt tes photos dehors et pas en studio parce que tu préfères la lumière naturelle. Est-ce qu'il y a un moment de la journée qui est mieux aussi pour faire des photos? Oh, Bertrand, j'ai perdu Bertrand. Et tout d'un coup, je me retrouve toute seule. Bertrand, reviens! J'ai encore des questions pour toi. C'est justement le moment où je décide de boire, évidemment. Trop rigolo. Alors, Bertrand, est-ce qu'il est en train d'arriver? Voilà, je ne sais pas si ça vous parle. Moi, tout ce que je suis en train de poser comme question à Bertrand, c'est toutes les questions que moi j'avais quand j'étais, quand j'ai commencé à faire des séances photo et des trucs comme ça, où j'étais un petit peu perdue, je voulais demander au photographe. Après, il faut savoir que chaque photographe a vraiment aussi ses propres manières de travailler et que c'est pas forcément. Ah, j'ai toutes ces questions. Oh, j'ai fait un truc bizarre. Après, chaque photographe a ses propres manières de travailler, etc. Et tout le monde n'est pas forcément comme Bertrand. Donc, vous pouvez aussi, et d'ailleurs, je vous recommande toujours, quand vous allez travailler avec quelqu'un, que ce soit un photographe, un autre acteur, Je suis là. un réalisateur, bonjour Bertrand, de toujours bien poser les questions, s'il y a des questions. Vous avez, je disais que tout le monde n'a pas forcément ta même Attends, façon. je ne sais pas si tu m'entends, mais j'ai un petit bug. Je déconnecte et je reconnecte. Ok, bah à tout de suite. À tout de suite. Donc je disais, n'hésitez pas toujours quand vous allez travailler avec quelqu'un, que c'est une nouvelle personne et que vous n'avez pas l'habitude de travailler avec cette personne, eh bien, n'hésitez pas à leur poser plein de questions parce que c'est vraiment leur travail aussi de répondre à vos questions, d'être là. Ça s'appelle du service, hein, c'est leur métier. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à leur poser. Alors, j'ai Tamara qui dit, t'as posé les questions que je voulais poser, merci. Ben, écoute, je suis super contente. Et j'en ai même encore deux, trois. Donc, peut-être que ça va encore répondre à tes questions. Anastasia qui dit, c'est exactement les questions dont je souhaitais avoir les réponses. Elles sont pertinentes et utiles pour les débutants. Ben voilà, je suis super contente. Si ça vous aide, et en plus, c'est vrai que Bertrand, ben, il a déjà fait plein, plein, plein de photos.
avec plein d'acteurs, parce que moi, du coup, comme j'étais hyper contente de travailler avec lui, j'ai recommandé à tous mes amis qui étaient acteurs. Je dis, va voir Bertrand, tu vas voir, il est super, tu vas adorer travailler avec lui. Et j'ai vu qu'effectivement, plein de mes amis avaient déjà fait des Ah, trucs avec tu lui. m'entends? Ah, voilà, tu es de retour. Je t'entends, je ne te vois pas encore. Ah, ben voilà, je te vois. Cool. Super. Génial. Donc, une de mes dernières questions, c'était quel moment de la journée est le mieux si on shoote en extérieur? Est-ce qu'il y a une plage horaire qui est... Bah, souvent, les lumières sont un peu fortes quand on shoot l'après-midi, donc on essaye soit de shooter au matin, soit de shooter en fin de journée. Les lumières, je vais dire entre midi et 16-17 heures, elles sont fortes, elles sont vraiment fortes. Maintenant, ça dépend du moment de l'année parce qu'en Belgique, tu connais bien le pays, voilà, la lumière, bon, ça peut varier, des fois, il n'y en a pas du tout. C'est vrai que cette fois-ci, on était censé faire les photos ensemble le 18, je crois. Et puis Ouais. finalement, on s'est retrouvés une semaine et demie après parce que le 18 ou la veille, tu m'as téléphoné, tu m'as dit, écoute, les lumières vont être pourries demain. Ne faisons pas demain, faisons-le une autre fois parce que voilà, et ça, j'apprécie Ben vraiment, oui. quoi. Mais j'ai un problème avec ça. Bah oui, c'est hyper chouette de pouvoir voilà, Ben filer oui. un autre rendez-vous et tout. Donc, je trouve que c'est une bonne conscience professionnelle. Comment maintenant, bon, on en a parlé un petit peu, mais comment trouver le bon photographe pour nous? Parce que tous les acteurs sont différents. Je sais que j'ai déjà entendu qu'il y avait des photographes qui photographiaient mieux les femmes, photographiaient mieux les hommes. Donc, comment toi, enfin, est-ce que tu as une recommandation sur comment choisir son photographe? Moi, je pense que de toute façon, il faut une première fois et puis on sent s'il y a un feeling. Y a des personnes à qui j'ai déjà fait 3-4 séances qu'on sent qu'il y a Ouais. des photos exactement ce que ces personnes recherchent. De toute façon, ça se sent rapide avec la personne, etc. Je ne sais pas s'il y a des photos qui photographient mieux les femmes, etc. En cas, un shooting avec un photographe, ben c'est de que ça soit quelque chose de dérangeant, que l'aise et avoir passé un bon moment au final, quoi. Ouais. Ça, parce que ça aide et c'est vrai que moi par exemple la première fois bah, je connaissais pas encore Bertrand que j'ai dû trouver vraiment un photographe mais j'ai regardé dans les acteurs autour de moi leurs photos et quelles photos j'aimais bien aussi j'ai regardé les acteurs qui avaient peut-être le même genre de sensibilité que moi donc j'ai regardé des femmes que je connaissais dont je connaissais le jeu qui étaient genre très Ben oui. sensibles et moi, j'étais aussi un peu trouillarde au début quand j'ai commencé. Je n'osais pas trop, je savais pas du tout quoi faire. Et donc, j'ai regardé des gens qui étaient peut-être un peu comme moi et je suis allée vers le même genre de photographe qu'eux. Ben oui, clairement. Voilà, moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Il y a Mickaël qui nous dit « Comment allez-vous? Vous avez la forme ?» Oui, toujours. Bonjour, Mickaël. Donc, voilà. Et est-ce que tu aurais, c'est une de mes dernières questions, est-ce que tu aurais un conseil qui serait vraiment pour réussir une bonne séance photo. Ben, je dirais qu'il faut essayer de prendre du plaisir, qu'il faut essayer de ne pas avoir un regard trop sévère avec soi-même, de se détendre à fond, et de faire un photographe, et donc de trouver un photographe de confiance. T'as dit quoi à la fin? T'as dit de trouver un bon photographe? T'as dit quoi? Ben, je dirais de trouver un photographe qui vous met en confiance, quoi. Ouais, c'est ça. Où vous vous sentez bien, vous vous sentez à l'aise. En général, quand les gens se sentent bien, eh ben, on réussit à avoir quelque chose de très chouette qui correspond vraiment à la personne, quoi. Et c'est vrai que ça peut, par exemple, déjà au début, dans les premiers emails qu'on envoie à la personne pour fixer le rendez-vous, pour connaître leur prix, voilà, pour rentrer en contact, on peut déjà voir à quel genre de personne on a affaire en Sûr. face, quoi. Et pour un ordre de prix de photos en Belgique ou de ce que tu connais, parce que je sais que tu as regardé aussi un peu les prix des photographes à Los Angeles, est-ce que tu as des grandes idées, parce que je sais que c'est large, chacun des trucs différents. Il y a des Oui. photographes qui vont dire c'est tel prix pour 5 photos retouchées. Il y a des Ouais. photographes qui vont faire à la photo. Moi, j'aime pas ça. En général, j'aime bien quand un photographe me donne toutes les photos qu'on a Oui, faites. moi c'est ce que je fais. Hein. Grosse sélection de 50 photos. J'ai travaillé avec plusieurs photographes qui fonctionnent vraiment comme ça. Donc, pour avoir un ordre d'idées,
Est-ce que tu peux nous dire plus ou moins les chiffres, que ce soit en Belgique, à Paris ou à Los Angeles? Ben, je dirais que on va de 150 à 300 € et que oui, moi je fais pas de sélection, je fais pas de 5 photos, de une photo. Je me parais bien, des fois il y a 40 photos dans un shooting, des fois il y en a 80, mais ça tourne toujours autour des 50-60 photos en moyenne. Là, le prix que tu viens de me donner, c'est pour la Belgique. Le prix que te donner, c'est pour la et la France, enfin, si je vais en France, voilà. J'ai un peu de trajet. Si je passe, je tourne autour des 300 $, à mon avis, quelque chose comme ça. Ouais, ok. Ça, c'est plutôt ton prix à toi. Mais par rapport au prix du marché, tu sais un petit peu les autres photographes à Paris? Ben, franchement, ça monte très très vite, hein. Ça monte très très vite. Donc, je ne suis pas sûr que c'est parce qu'on paye 1 000 € pour avoir un book qu'il est forcément mieux que quand on donne 300 €. Mais c'est très 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 variable. Minimum, ça doit être 120 € et puis il y a des photographes à 1 500 € le book, hein, donc Ouais. C'est vrai que moi, ce que je recommande toujours aux acteurs de faire, bah, c'est de faire une séance photo avec vraiment le photographe qui vous plaît, quelqu'un avec qui vous entendez bien, avec qui vous êtes à l'aise, etc. Et de commencer par ça, sans mettre des budgets incroyables, plus de 300 Oui. euros, je pense que c'est un peu trop personnellement, surtout quand on débute. Parce qu'après, souvent, ce qui va se passer, c'est que si vous rencontrez un agent, il va vous dire, ah, mais moi j'aime bien que dans mon agence, les gens aillent faire leurs photos avec tel photographe. Ouais. Pourquoi? C'est leur style, ils aiment ça, enfin, peu importe. Et là, ben, vous allez devoir faire les photos avec telle personne, que vous l'aimiez, que vous n'aimiez pas, et vous allez devoir payer le prix de cette personne. Donc, je recommande que tant que vous êtes un peu libre et que vous lancez votre carrière, ou même que Clairement. voilà, vous faites un peu vos choix aussi, et puis vous verrez en fonction des gens avec qui vous avez envie de travailler, quoi. Donc Ouais, je suis voilà. d'accord avec toi. Ben, écoute, je vais mettre un lien ici dans la description de la vidéo. Je pense que c'est ta page Facebook que tu préfères qu'on aille voir. Ça vous Ouais, tente? mon site internet, ma page Facebook, les deux me représentent assez bien. Peut-être plus mon site internet pour les books. Pardon? C'est aussi sur Instagram. Je suis aussi sur Instagram, mais c'est vrai que ben, j'ai mis quelques photos de toi, mais je mets beaucoup plus des photos de photoreportage à l'étranger, etc. sur Instagram. J'essaye de varier un peu. Sur mon site internet, il y a une rubrique Book Comédien où il y a quelques photos, mais voilà quoi. Mais sinon, je compte faire cet automne un petit trip où je passerai par Paris, par Los Angeles et où je ferai des books aussi sur Bruxelles et j'essaierai de combiner tout ça pour faire un prix un peu démocratique dans le sens où j'arriverai à faire sans doute ça. Et donc voilà, c'est encore en projet mais normalement ça va se faire. Avec un copain ou une copine, ils ont genre un petit prix ou quoi, parce qu'ils sont plusieurs ou quelque chose comme ça. Comme ça, voilà. Ok, ouh, j'ai ma fenêtre qui est en train de sortir du vent. Désolée. Et du coup, tu préfères que les gens ils prennent contact avec toi via ton site internet ou sur Facebook, peu importe? Bah souvent, oui, mon site internet, ouais. Ok, Je super. vois qu'il y a quelqu'un Voilà. qui te demande si tu vis à plein temps du métier d'actrice. Alors, Michael, je serais très contente de répondre à toutes tes questions, mais comme aujourd'hui c'est une vidéo spéciale sur le métier de photographe et d'acteur et que c'est pas à propos de moi aujourd'hui, je vais faire bientôt un live où tout le monde peut venir me poser toutes ces questions à moi personnellement parce que c'est vrai que récemment j'ai pas fait beaucoup de live Ben là-dessus oui. et j'ai beaucoup de gens qui me posent des questions sur moi. Mais voilà, si tu veux, tu peux suivre. Mes vidéos vlog, ou tu peux même venir dans le groupe Facebook où je réponds à plein, 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 plein de ces questions. Donc voilà, écoute Bertrand, merci mille fois d'être venu aujourd'hui Avec dans mon plaisir. Je suis hyper contente de t'avoir encore avec moi aujourd'hui, qu'on puisse papoter. Et je pense que ça a été, enfin, quand tu n'étais pas là, que tu t'es déconnecté, j'ai pas mal de gens qui m'ont dit qu'en fait on avait répondu à toutes les questions qui se posaient Chouette, sur. chouette. Voilà, donc c'est vraiment super chouette. Et ben écoute, t'es le bienvenu à Los Angeles. Fais-moi savoir quand tu viens par ici. Et je serai très très contente ben voilà, de te présenter un petit peu ma vie, quoi, maintenant. Ça marche, super, avec plaisir, j'y manquerai pas. Merci pour ton invitation en tout cas, Fanny.
Avec plaisir. Et tout le monde, bah, vous pouvez aller contacter Bertrand. Je vais mettre plein d'infos dans la description. Donc, vous pouvez aller cliquer, trouver toutes ces infos et prendre contact avec lui. Voilà, et ben, je te fais des gros bisous, Bertrand. À bientôt. Salut, à bientôt! Et encore une fois, mais je vous remercie tous d'avoir été aussi nombreux à nous rejoindre ici pendant le live. Et je serai hyper contente de répondre à toutes vos questions en commentaire de cette vidéo. Vous pouvez nous retrouver aussi sur, enfin, me retrouver sur YouTube. Vous pouvez souscrire à ma chaîne, liker la vidéo si vous avez aimé, poster tous vos commentaires. Vous pouvez aussi me retrouver sur Patreon pour des vidéos exclusives qui ne sont pas sur ma chaîne YouTube. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, la page Actrice à Hollywood, et dans le groupe Facebook où on se partage plein d'infos, les gens rentrent en contact et tout ça. C'est vraiment une petite communauté qui se crée et c'est vraiment super sympa. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Encore merci une fois d'avoir été aussi nombreux et à très bientôt.